et ils vont être coincés. C'est à ça que ça ressemble. Alors, pour ceux qui ne voient pas vraiment le patron, ça se fait comme ça. Donc très utile, ça ressemble, surtout en serveur, si vous avez un système d'anti-griffe, ça pourrait servir à bloquer un joueur. Sachant que nous, ça n'a pas vraiment d'utilité, étant donné que tous les joueurs en tapant slash spawn, ils reviennent au spawn, donc il n'y a pas très très utile. Voilà, bon, c'est un simple chemin. Donc voilà, donc admettons que ce soit un mur, hein, que ce soit un mur. Donc si vous voulez que, donc là si vous voulez passer par là et ne pas passer par là, vous mettez votre solution ici. Donc moi je vais faire l'inverse, je peux aller vers ma baraque, mais je ne peux pas en, revenir, hop, comme ça, donc je peux passer, et là, je ne peux plus, la main de sauter, c'est ça, la main de sauter, voilà, alors, si vous voulez qu'un joueur ne puisse même pas sauter, vous creusez simplement une case avant, il ne pourra évidemment pas sauter les deux cases en même temps. Alors, je vais essayer un truc, donc j'ai essayé tous les systèmes possibles. Alors, ouais, voilà, donc en sur la diagonale, mais vous voyez, c'est quand même très chaud. Pas encore passé, donc la solution aussi. Donc, je vous montre comment perfectionner le système. Hein. C'est clair comme ça, vous êtes vraiment sûr. Non. Passant, ouais, vous pouvez absolument pas. Même en passant, en sautant sur des diagonales. Donc voilà. Ok, évidemment, donc celui qui creuse la chose au fin, ben, bon, il peut passer. En posant un bloc au-dessus, en revanche, on continue à passer. Voilà. Donc il faut. Donc la solution ici. Donc je parle en serveur, ce serait de mettre un panneau ici, comme ça le joueur donc ne peut pas passer en ce temps, mais ne peut pas non plus poser de bloc, étant donné qu'il y a un panneau. Donc évidemment toujours avec un système d'anti-griffe. Donc voilà, en mode serveur, comment exploiter au maximum la South Sand. C'est très utile aussi, hein, en solo, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous montre hein, que ça ne marche pas que dans un sens. Hein. Voilà. Ah, hein? Pourquoi? Bon, c'est parce que je suis passé apparemment sur la diagonale. Voilà, en passant sur la diagonale, ça marche. Donc je vais également... En ce temps, je peux rentrer et les monstres que la chance pour qu'ils sautent avant de rentrer dans la maison, je pense pas eux quand ils vont voir votre ghoul, il va se ramener et puis être coincé. Il aura beau sauter. Il ne pourra pas parce qu'il pense à reculer pour sauter, mais c'est de l'intelligence artificielle, ça ne portera jamais à ça. Voilà, utilité de ça, de la South Sand. South Sand, ouais c'est ça. Voilà, là je vais reprendre. J'ai un vieux chemin pour celui-ci. Enfoiré. Voilà. Voilà, voilà. Hey. Je
faire exploser ma baraque. Faire une de ces saloperies. Il y a quand même plein de mines en dessous, j'ai pas envie de quitter cet abri quoi. Voilà, donc c'est toujours le même principe. Je trouve ça pratique, je mets un à feu. Voilà. Je vais te cramer ta tête, je vais te cramer ta tête. Je vais mettre ça là, je vais mettre ça là, je vais. Même si elle est bien son espoir. Sauf s'il y a encore un creeper qui m'explose la tête. Là, ça va me faire très mal. J'ai toujours pas de bois. On va aller récupérer du bois. On va vérifier les alentours. Hein. Bon, alors. Voilà. Ça continue à avancer. Bon, non, là ça stagne un petit peu. Un peu masqué. Les champignons. Avez-vous vraiment besoin de faire des soupes en champignons? Moi personnellement, j'en fais pas. Donc je sais pas. Donc c'est un aliment supplémentaire possible à faire. Allez, bon, et ben je suis toujours à poil et on va retenter une sortie dans le désert, mais c'est un petit peu plus organisé. Ça sera utile plus tard peut-être. Oui. Bon, c'est bon, je vais rester là. D'accord. Allez, on est reparti. Donc le destin est toujours là. Donc c'est possible, je prends mon coup. Donc
donc proposons une part de musique. Ces deux fantasmes qui expliquent que c'est un fantasme, hein. Donc moi je vais aller un peu plus loin, toujours, hein, je vais toujours un petit peu plus loin dans les explications. Donc les gaz ne peuvent pas casser des blocs qui ont une résistance supérieure à 14. 14 correspondant donc, à une barrière. Voilà, donc tout ce qui est une résistance supérieure à la barrière peut être utilisé dans le mouvement contre les gars. Pour les résistances référées au Minecraft Wiki. Donc, chose à préciser concernant les gaz. Il est à la vôtre. Non? Non. Il est là-bas. C'est là-bas, la même chose. Donc, chose à préciser selon les gaz, qu'ils soient prêts ou moins, ils font le même bruit avec la même intensité. La pioche, hein, parce que si vous essayez avec une autre, avec un autre minerai, ça va vous prendre des plombs d'animaux. Je me cache. Je me cache. Elle m'a encore fermé une porte. Bon. Et je ne suis pas facile. Je le rappelle là.